Le journalisme, c'est quoi ? C'est simplement l'acte d'informer, c'est-à-dire de collecter, sélectionner et de vérifier l'information avant de la diffuser. Le début du journalisme passe par la presse écrite. Avant que les premiers journaux soient imprimés, l'information circulait grâce à l'affichage, les crieurs ou encore les livres. Au XVIe siècle, des parutions occasionnelles, c'est-à-dire publiées pour des événements particuliers, voient le jour. Cependant, on ne peut pas encore parler de journaux, car un journal à proprement parler répond à deux critères. Le premier est l'impression, le second, la périodicité. Le premier hebdomadaire au monde est lancé à Strasbourg en 1605. Il porte le nom de « Relations ». À l'époque, publier n'est pas un droit acquis à tous et nécessite l'accord préalable du roi. N'ayant pas l'autorisation, l'imprimeur relieur Johann Carolus agit de manière officieuse. Il faudra attendre 26 ans de plus pour que le premier grand journal officiel voie le jour en France. Le docteur Théophraste Renaudot obtient l'autorisation de publier La Gazette en 1631, grâce à l'intervention du cardinal Richelieu qui s'en sert d'outil de propagande. Un hebdomadaire payant qui informe les lecteurs sur les nouvelles provenant de l'étranger, de la France ou de la cour. En 1635, Renaudot obtient le monopole du marché. Ce sera le seul journal d'information politique pendant près de 80 ans. Au même moment, la presse voit également le jour en Angleterre et en Suisse. En 1660, c'est le début de la presse spécialisée. De nombreux journaux littéraires et scientifiques naissent. Avec Louis XIV au pouvoir, la censure est pourtant très présente. En 1674, le roi Soleil va jusqu'à interdire aux libraires de publier des ouvrages sans son autorisation. Lors de la révocation de l'édit de Nantes qui interdit toute autre religion que le catholicisme, 200 000 Français en colère quittent le territoire, la plupart en direction de l'Angleterre. Depuis l'abrogation du Licensing Act, l'Angleterre jouit en effet d'une plus grande liberté de la presse. Outre-Manche, de nombreux journaux hostiles au roi voient le jour. Pour que les Français puissent y avoir accès, un service d'abonnement postal est mis en place. En 1715, Louis XIV meurt. Sous les règnes de Louis XV et Louis XVI, la presse bouge, change et s'affirme. En tout, c'est plus d'une centaine de journaux qui sont créés. En 1777, le Journal de Paris est né. C'est le premier quotidien d'actualité à être publié. Malgré ce nouvel engouement, le fantôme de la censure plane toujours sur la presse, notamment à deux moments. Avant la parution, le journal doit s'acquitter d'une taxe et présenter au pouvoir son contenu avant publication, et après la parution, la loi interdit aux journalistes de critiquer le gouvernement et d'écrire sur certaines thématiques. S'ils n'obéissent pas, ils risquent une amende, la prison ou la mort. Au XVIIIe siècle, l'enthousiasme de la population pour la presse est bien réel. En plus du climat politique qui pousse les gens à vouloir s'informer quotidiennement, de plus en plus de citoyens apprennent à lire. En 1789, la Révolution éclate. En conséquence, le texte fondateur des droits de l'homme est mis en place. À l'article 11, on peut lire « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Homme citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement dans les limites fixées par la loi. » La presse d'opinion voit ainsi le jour, motivée par ce climat politique favorable et ses nouveaux droits. Entre mai et décembre 1789, 250 journaux apparaissent en France. En 10 ans, c'est 1400 journaux qui verront le jour. Les contestations pendant la Révolution ont été un véritable moteur pour le développement de la presse. À cette époque, un journal est souvent porté par un seul homme, qui se charge à la fois de la rédaction, de l'impression et de la diffusion. On commence même à parler du métier de journaliste. À cette époque pourtant, les informations récoltées sont difficilement vérifiables. Elles proviennent généralement de l'Assemblée nationale ou des cafés du coin. L'information est partagée entre faits et rumeurs. Lorsque la terreur s'installe en France, la censure revient. Par peur de la loi des suspects, qui permet d'arrêter n'importe qui, n'importe quand, les journalistes, en plus d'être censurés, s'autocensurent. Napoléon arrive au pouvoir. L'une de ses mesures concerne la presse. Sur les 73 journaux politiques existants, il n'en conserve que 4 et rétablit le principe des censeurs, c'est-à-dire des personnes chargées de vérifier le contenu de chaque publication. L'objectif est de donner au peuple l'impression qu'ils peuvent encore s'informer. Lorsque Louis XVIII arrive au pouvoir, une série de mesures est votée pour garantir une liberté de la presse conforme aux idées révolutionnaires, c'est-à-dire à la fois libérale et contrôlée. Pour la première fois,
on définit clairement le type de délit auquel s'expose la presse. On abolit également la censure avant publication. À la place, on oblige le propriétaire d'un journal à afficher son nom dans sa publication. Comme ça, il s'expose ainsi à des sanctions s'il ne respecte pas la loi. Au XIXe siècle, les révolutions industrielles impactent la presse. On peut enfin produire en quantité. En 1836, le journaliste et homme politique Émile Girardin a une idée. Insérer de la publicité dans les journaux pour pouvoir diviser le prix d'achat par deux. Accessible à tous, le journal devient un objet du quotidien. En 1832, le très célèbre Charles Havas décide de créer la première agence de presse au monde. Devenue l'agence France Presse en 1944, cette entreprise collecte et vend les informations aux journaux, permettant ainsi d'en améliorer la qualité. Les dépêches sont nées. La censure n'est pourtant jamais bien loin, puisqu'en échange du monopole du marché, l'État a un droit de regard sur ces dépêches. Lorsque Charles X monte sur le trône, une pratique se généralise dans la presse, la critique du gouvernement. L'exemple le plus connu est sûrement celui d'Adolphe Thiers, qui s'oppose directement au roi dans son journal Le National. Une grande avancée quand on sait que l'outrage au roi était encore d'usage quelques années auparavant. Le 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse est votée. Elle définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à la rédaction, la publication et la diffusion des journaux. En clair, on abroge les 300 articles qui encadraient encore la presse, laissant quelques exceptions en matière de respect de vie privée, de haine et d'offense au président de la République. Elle précise aussi le droit de réponse et l'interdiction de diffamer, des mesures qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, la figure du grand reporter apparaît, ainsi que de nouvelles formes d'articles comme l'interview. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Pendant 4 ans, la propagande et la censure s'imposent à nouveau dans la presse. L'autorité militaire peut, par exemple, interdire la publication d'un journal. L'objectif est d'empêcher l'ennemi de se renseigner sur le pays, mais aussi faire taire les journalistes qui critiquent les décisions prises en temps de guerre. En réaction à cette censure, le très célèbre et très actuel Canard enchaîné naît en 1915.